Salut les scénaristes, on va partir sur Vent d'Est, Vent d'Ouest, un roman de Pearl Buck, un super bouquin à lire, une histoire d'amour d'un couple qui va se retrouver en butte au poids de la tradition. Cette technique pour construire un récit, je l'ai appelée la bulle de Quay, parce que donc ça s'inspire de Quay, le personnage de Vent d'Est, Vent d'Ouest. Quand on construit son récit, on commence par isoler son thème. On fait le brainstorming. On note tout ce qui nous passe par la tête. Donc j'avais fait une vidéo sur le brainstorming, vous irez voir. Là, donc tout ce qui nous passe par la tête au sujet du poids de la tradition, les différentes attitudes qu'on peut avoir face à ce phénomène. Donc j'en ai noté quelques-unes. Alors j'ai pas été exhaustif, hein. L'idée c'est pas d'être exhaustif, l'idée c'est de comprendre la démarche. Donc face au poids de la tradition, on peut subir, accepter, fuir, lutter. On peut l'imposer ou laisser faire. Une fois qu'on a les attitudes face au poids de la tradition, on commence à construire notre récit. Et donc, on met en place des personnages. Donc là, on a ce personnage central, donc, que j'ai mis donc au centre, qui est Quay, c'est la jeune fille en fait. Et autour d'elle, bah, il y a son mari, son frère, il y a son père, la femme de son frère, il y a sa mère, il y a les concubines, c'est-à-dire les femmes de son père, il y a les esclaves, il y a les étrangers, il y a tout ce monde-là. Et donc, à chacun de ces personnages va être dévolu un rôle, en fait. Donc, il y a ceux qui vont subir la tradition, il y a ceux qui vont l'accepter, il y a ceux qui vont la fuir. En jaune, j'ai mis son frère et son mari, c'est ceux qui vont lutter contre la tradition. La troisième concubine, elle va fuir la tradition. Et en rouge, j'ai mis ceux qui vont plutôt imposer la tradition. Les étrangers, on peut dire qu'ils sont dans le laisser-faire. L'idée, c'est qu'on a le thème, on pose notre personnage central, notre héros, notre protagoniste, et puis tous les personnages qui viennent autour. Sans vouloir être exhaustif à chaque fois, hein, l'idée, c'est pas toujours de faire le tour du thème, mais c'est de donner un rôle à chacun. Ça évite en fait d'avoir des personnages inutiles. Les voisins, est-ce que c'est utile qu'il y ait des voisins? Bah oui, parce qu'en fait là, ils ont un rôle, ils font partie de ceux qui veulent imposer la tradition. C'est le regard extérieur à la famille, mais c'est le poids du voisinage. C'était important de le noter. Donc dans ce roman qui est très bien construit, tous les personnages ont une importance et on balaye un petit peu tout le champ des possibles face au poids de la tradition. Donc c'est un exemple, mais par contre la bulle de Quay, c'est une méthode qu'on va mettre en œuvre tout le temps. Donc moi j'appelle ça la bulle de Quay. Le thème, le brainstorming et ensuite tous les personnages doivent avoir un rôle. Oui, petite parenthèse, ça peut être un rôle qui est lié directement au thème ou alors ça peut être un rôle qui permet de faire avancer le récit. Par exemple, ici, la nourrice, sa position vis-à-vis du thème, c'est pas important. Ce personnage-là, il a un rôle en fait, c'est une sorte de confident, et puis il permet de transmettre les informations d'un personnage à l'autre. Donc, tous les personnages n'ont pas un rôle directement lié au thème, ils peuvent avoir une utilité dans la narration, mais il n'empêche qu'on les place. Voilà, il faut les placer autour de cette bulle. La bulle de Quay. Choix du thème, brainstorming, bulle de Quay. Voilà. Bon, on avance, hein, n'empêche. Je suis content. Et j'espère lire vos scénarios bientôt. J'espère voir vos films. Et voilà. Que dire d'autre? Bon, non, on a fait le tour. Allez, bis à tous. Travaillez bien, écrivez, lisez des jolis bouquins. Lisez-le ce bouquin. J'ai fait une vidéo d'ailleurs hein, là-dessus. Pearl Buck, Vent d'Est, Vent d'Ouest. Toujours des vieux bouquins, moi. Hein. Ça se trouve en neuf maintenant. Allez, ciao.